Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tuto qui m'a été demandé par la Grand Cour. Alors mon ami, voilà, je t'avais promis, hein, ça tarde un peu peut-être. Donc je profite également de ce tuto pour rappeler que c'est une chaîne qui a vocation d'aider les débutants. Donc c'est sûr, c'est un peu simpliste, un peu bébête peut-être par moment. Vous ne trouvez pas forcément les accords complexes que vous pourriez trouver sur les morceaux originaux. Mais le but, c'est que assez rapidement, les débutants à la guitare puissent faire des morceaux. Rappelez-vous, messieurs, quand vous avez commencé, vous auriez bien aimé pouvoir faire des morceaux assez rapidement. Quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne tiré par deux chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois, vieille femme en noir illuminée pour moi, une maison tout en pierre que les mers rongées, au-dessus d'un cimetière où les croix sont penchées. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Et encore en la mémoire des lumières d'autrefois, mélange de sang barbare et de ciel d'Italie. Les colères n'en nuant pas que le vent soufflé, les discours interminables auprès du déjeuner. Bon, excusez-moi, je suis pas parfait, hein. Voilà, donc on a les accords maintenant. Un Do. Ensuite, nous avons un Do majeur 7. Alors, un Do majeur 7, vous passez de la position du Do et vous enlevez votre index. Do. Do majeur 7. Ensuite, un La mineur. Un La. Nous avons un ré mineur, ré mineur 7. Alors le ré mineur 7, c'est un ré, mais vous enlevez le majeur. Sol 7. Ensuite un accord un peu complexe, c'est le fa dièse mineur. Donc un fa dièse, donc il y a le, normalement on fait en barré comme ça. Mais comme vous débutez la guitare, vous avez le droit de ne pas faire de barré. Donc vous passez uniquement les trois premières cordes de la case 2 et vous venez mettre votre annulaire et votre auriculaire à ces deux cases là. Voilà, donc vous frappez que les cordes qui sont pincées. C'est le fa dièse mineur. Par la suite, on va faire un barré. Voilà. Donc j'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie. Alors on commence par un Do. J'ai dans le cœur quelque part, sur quelque part on passe en Do majeur 7, de la mélancolie. Sur mélancolie, sur le lit de mélancolie, c'est un La mineur. Ensuite on frappe un La. On arrive en ré mineur, mélange de sang barbare. Alors le ré mineur, c'est sur le sur mélange. Mélange de sang barbare. Sur barbare, on passe en ré mineur 7. Et de vin d'Italie. Sur le li d'Italie, on passe en sol. Tout de suite, en sol septième. Ensuite, pour les phrases, un mariage à la campagne. Alors, un mariage à la campagne, c'est un Do.
campagne, c'est un Do majeur 7, tiré par deux chevaux, La mineur sur chevaux, avec le La tout de suite après. Voilà, alors, un mariage à la campagne, tiré par deux chevaux. Alors, un sentier. Un sentier, c'est un Ré mineur, dans la montagne, Ré mineur 7, pour aller puiser l'eau. Sol, sur, puiser l'eau, sur l'eau, tout de suite Sol 7. Ensuite, le couplet suivant, il est identique. Pour le refrain, on est en Sol 7. Donc le son 7 continue de sonner jusque je viens du sud, je viens du sud. Alors, sur le sud, on passe en La mineur. Je viens du sud, et partout. Alors, sur le et de et partout, on passe en Fa. Et partout les chemins. Sur chemin, sur le che de chemin, on passe en Do. J'y reviens. Alors, par contre, là, pour la phrase suivante, on augmente un peu la tonalité. On passe en mi. J'ai dans la voix, certains soirs, quelque chose qui crie. Alors, sur G, c'est un mi. J'ai dans la voix, certains soirs, quelque chose qui crie. Sur cri, on passe en la. Mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Alors sur mélange, Fa, dièse mineur. Mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Alors, il y avait le si que je ne vous ai pas présenté. Donc le si, c'est un la en réalité, que vous passez à la quatrième case et vous venez passer cette corde, la première corde à la deuxième case. Vous avez un si. Partez du La, que vous amenez à la quatrième case, et vous venez passer la première corde à la deuxième case. Vous avez un Si. Alors. Mélange de sang barbare, Fa dièse mineur. Mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Si. On revient en Mi. Décolère. On passe en mi. Des colères monumentales que les vents m'ont soufflé. Pour souffler, on passe en la. Ensuite, on revient en fa dièse mineur. Des discours interminables après le déjeuner. Sur déjeuner, on revient en si. Ensuite, dans le deuxième refrain, la tonalité change de nouveau, donc c'est je viens du sud et partout. Donc la deuxième possibilité au niveau du refrain, c'est un Do dièse mineur. Do dièse mineur, ou alors pour retrouver comment on fait un Do dièse mineur, vous partez du La mineur que vous amenez avec un petit barré à la quatrième case. Vous avez un Do dièse mineur. Vous partez du La mineur, vous amenez avec le petit barré, vous obtenez un Do dièse mineur. Alors, je viens du sud. Ensuite, on arrive en La. Et par tous les chemins, on passe en Mi. J'y reviens. Et ensuite, on commence, comme sur les couplets précédents. J'ai quelque part dans le cœur. Alors, j'ai quelque part, c'est un Do. Dans le cœur, Do majeur 7. De la mélancolie. La mineur. Suivi d'un La. Voilà, etc., etc. Donc, il y a une certaine variation au niveau des couplets. C'est le morceau qui veut ça. Et c'est pas forcément un morceau qui est très très simple. Même. Donc bien travailler les accords, l'enchaînement d'accords pour la rythmique. Bon, je précise aussi que
C'est une rythmique que je fais moi-même, c'est pas forcément la rythmique qui est utilisée sur le disque. Alors la rythmique c'est Donc c'est toujours ba ou ba 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 ou ba 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 ou ba ba. Voilà. Vous avez la possibilité aussi également de faire un arpège, hein, toujours pareil, vous utilisez la vidéo que j'ai faite pour les arpèges simples. Et quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Voilà, c'est toujours le roulement que j'utilise. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est quand vous frappez la corde grave, de bien utiliser la corde grave de l'accord. Par exemple, sur le Do, vous allez taper la cinquième corde. Si c'est un Sol, vous allez taper la sixième corde. Si c'est un Ré, vous allez taper la quatrième corde. Voilà. Donc, il faut bien regarder au niveau de vos accords. Donc, ben voilà, j'ai plus grand chose à vous dire à ce niveau-là. J'espère avoir été clair. C'est pas forcément un morceau évident. Donc, bon courage et bonne gratte. À la prochaine. Au revoir.